mon papa a mis. Même Pomme et Flore te sourit, c'est si volari. Ba ba ba, mon copain ba ba. Ba ba ba, 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 dis-moi ton histoire. Ba ba ba, 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 loin de ta mémoire. Ba ba ba, 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 les chasseurs d'ivoire. Les premiers pas de Babar. Tiens-toi tranquille. Tu es très beau, Pomme. Oui, il est absolument magnifique. Tu sais que tu me rappelles ton père à ton âge. Tiens-toi tranquille, Babar. Je ne parle pas seulement du physique. Merci. Maintenant, si je pouvais trouver mon discours, oh, qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Alexandre, mais tu ne devais pas t'entraîner avec ton équipe? À quoi ça sert? De toute façon, on finira dernier. N'importe comment, je suis le capitaine de l'équipe. J'ai bien le droit de me reposer un après-midi de temps en temps. On pourrait peut-être travailler sur mon dirigeable. Je dois adresser un discours au peuple de Célesville. Je regrette Alexandre, ils attendent. Mais c'est toi le roi. Tu peux bien prendre un après-midi de temps en temps. Oh oui, comme ça je pourrais sortir de cet uniforme avant d'étouffer. C'est justement parce que je suis roi que je dois faire beaucoup de choses dont je me dispenserai bien. Nous avons tous des responsabilités envers les autres. Et ça, je l'ai découvert à mes dépens. Il y a longtemps, très longtemps, c'était du temps où je n'étais pas encore roi, du temps où Célesteville n'existait pas encore, du temps de votre grand-mère, de ma mère. Baba, baba. Oh, n'est-il pas mignon? Baba, baba. Nous devons choisir un nom pour ce nouveau-né. Les suggestions, Cornelius? Moi, je verrais quelque chose de distingué pour ce petit, voyons. Horatio, non? Ou alors, et Archimède? Pour ne pas dire comment... Oh, Pompadour! Pierre! Oh! Babar! Que pensez-vous de Babar? C'est très mignon, non? Que ceux qui voudraient l'appeler Pierre lèvent la trompe. Alors, ceux qui sont pour Babar... Par mes défenses, ce gamin n'a que quelques heures et il aide déjà notre grande famille à prendre des décisions. Ah ben, c'est parfait. Il ne faut pas avoir peur. C'est l'accueil traditionnel de la famille éléphant au nouvel arrivant. Par mes défenses, ce qui lui manque en volume, il le compense manifestement par le cœur. Absolument. Maintenant, je crois que nous pouvons ajouter le jeune Babar à notre grande famille. Mon adorable petit bébé. Ah, ah, ah. Maman. Je t'aime, mon petit Babar. Tout était nouveau et enthousiasmant. Wouh! Attention, sois bien prudent. J'avais beaucoup à apprendre. Il faut te servir de ta trompe. Tu vas découvrir que c'est l'invention la plus merveilleuse depuis celle de la queue. Plus je grandissais et plus j'étais convaincu que rien ne pouvait m'arrêter.
Ne t'énerve pas. Cette souche est là depuis bien plus longtemps que toi. Mais tu as essayé, c'est le principal. À mesure que les mois passaient, je progressais. Ah, on peut dire qu'il grandit vite, notre Baba. C'est vrai, mais au fond, c'est encore un petit bébé. Alors, tu n'y arrives toujours pas, Baba? Non, mais un jour, je sais que j'y arriverai. Mais oui, bientôt. Très bientôt. Céleste? Oui, maman. Surveille ton petit frère. Oui, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la peine de te fatiguer, Arthur. Tu ne pourras pas attraper les fruits. Par mes défenses, mais qu'est-ce que ce gamin va encore inventer? En tout cas, lui au moins, il sait faire marcher sa cervelle. Ah, c'est bien, c'est même très bien. Et il sait aussi s'amuser, ça c'est encore mieux. C'est manifestement un coup de tonnerre. Cornelius! C'est probablement une bête étrange et inconnue qui vient d'entrer dans la forêt, un monstre. Qu'est-ce que c'est un monstre, maman? Chut. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un monstre. Mais non, pas du tout, je dis que c'est le tonnerre, le tonnerre. Un monstre. Arrêtez, arrêtez, nous ne savons pas ce que c'est. J'ai pas l'intention de le découvrir. Cornelius, vous allez former une colonne d'éléphants et nous partons d'ici. Et sur le champ. Mais nous, on veut rester ici. C'est vrai, nous sommes chez nous ici. Babar a raison, nous sommes chez nous ici. Nous ne devons pas nous sauver comme ça. Nous devrions peut-être consulter la famille, non? Bon, alors, ceux qui sont pour rester ici. Dans ce cas, nous restons. Oh, chic! On reste chez nous. Tout au moins jusqu'à ce que l'on sache ce qui fait ce bruit effrayant. Merci, maman. Tu as été formidable. Mais tu as joué un rôle important dans cette décision, mon petit Baba. Ah, ça, tout à fait. Et c'était très courageux de ta part de prendre la parole comme ça. Bien qu'un petit peu déplacé, hein. Excusez-moi, Cornelius. À tout à l'heure, maman. Ne t'éloigne pas trop. C'est promis. Je t'aimerai toujours. Mais moi aussi, je t'aime très fort, Baba. Plus je le vois grandir et plus je suis convaincu que votre fils est promis un grand avenir. Pourvu qu'il soit heureux dans la vie, Cornelius, c'est tout ce qui compte pour moi. Attention, maman, j'arrive! Cornelius, vous ne sentez pas quelque chose? Oh, vous avez raison, madame, un danger. Le troupeau n'a pas l'air de s'en rendre compte.
Je vais rassembler les anciens, il faut être prêt à partir. Et bon, je l'ai eu. Attends, tu vas voir. Baba ? Céleste ! Je croyais que c'était... Arthur ? Oui. Je sais, il m'a déjà eu plusieurs fois depuis tout à l'heure. Quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, et quand on sait ce que c'est, on sait comment réagir. Ah, moi, je sais ce que je lui ferai. Prends déjà ça. Cornelius! Madame, nous sommes tout à fait d'accord pour rassembler le troupeau et partir immédiatement. Dépêchez-vous, rassemblez les enfants. Il faut se mettre à l'abri. Baba ? Baba ? Baba ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Dis, maman! Dépêchez-vous! Et cachez-vous dans la forêt! Allons, allons, allons plus vite! Les autres avaient pu échapper aux chasseurs. Mais avant de rejoindre mes amis, il y avait quelque chose que je devais faire. Baba!
Et voilà, dès cet instant, je savais que je pouvais partir. Cornelius, est-ce que Babar va mieux? Waouh! Eh oui, et désormais, Babar est promis un très grand avenir. Les oiseaux m'ont parlé d'un endroit secret au fin fond de la forêt, un endroit loin de tout, que même les chasseurs seront incapables de découvrir. Moi, je vous propose de nous mettre en route tout de suite. Non ! Nous sommes chez nous ici, nous devons rester. Nous aimerions tous rester, mon petit Babar, mais malheureusement, c'est notre survie qui est en jeu. Nous avons beaucoup à apprendre, Babar. Nous ne sommes pas de taille à affronter le chasseur, ni quiconque de son espèce venant de l'autre bord. Eh oui, nous avons beaucoup à apprendre. Le jour viendra peut-être où nous connaîtrons enfin la nature de notre ennemi et nous serons peut-être en mesure de lui résister. Mais pour le moment, Babar... Ben, je comprends. Pour le moment, notre seul espoir, c'est de partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Si le chasseur nous retrouve, il nous exterminera l'un après l'autre jusqu'au bout. Le chasseur va nous suivre, il va nous exterminer l'un après l'autre. Baba! Baba! Il faut que je l'empêche de faire du mal aux autres. Ce n'était pas grave. Je savais que tous les autres étaient en sécurité. Ils étaient dans cet endroit secret que seuls les oiseaux connaissaient. Quelque chose en moi me disait qu'il allait s'écouler beaucoup de temps avant que je les revoie. Mais je savais que le destin me permettrait de les retrouver un jour. Tu as sauvé toute ta famille, papa. Mais qu'est-ce que tu as fait après? Où tu es allé? Oh, ça, c'est une toute autre histoire. Pour le moment, il suffit de dire que je me suis fait des amis merveilleux. Et j'ai appris bien davantage que je pouvais le croire.
Mais comme il y a des gens gentils et des gens mauvais, il y a de bons rois et de mauvais rois. Et l'un des meilleurs moyens pour les différencier, c'est de voir comment ils assument leurs responsabilités vis-à-vis des autres. À propos de responsabilité... Oh, Cornelius! Excusez-moi, votre majesté, mais c'est l'heure de votre discours. Tu viens, Alexandre? Nous serions très contents que tu te joignes si à nous. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, papa, je crois que je vais retourner m'entraîner avec l'équipe. Oh, c'est jeune. Ça me paraît être une excellente idée.